Bonjour, c'est ADS Elba pour l'explication de code du jeu de mémoire. Je vous conseille d'avoir d'abord regardé la vidéo qui euh, explique le jeu, qui montre comment, euh, enfin, qui montre une, une partie du jeu et qui montre aussi toute l'installation parce que je vais pas trop revenir dessus. Je vais vous montrer un tout petit peu le jeu, mais très peu, donc il faut avoir vu euh, cette vidéo pour vraiment comprendre le code. On est parti. Première ligne de code, affichage, ça, ça va contenir. Les items, euh, enfin les items sélecteurs, donc ces, ces trucs là, ça va contenir tous les, tous les périphériques euh, de l'écran d'affichage où il y a donc les items à mémoriser. Donc là vous pouvez en mettre, enfin vous pouvez dans votre config, euh, moi j'en ai mis 16 ici, mais vous pouvez très bien en mettre que 8, 4, on verra un petit peu comment ça se config. En 4 ça serait un peu facile hein, à mémoriser. Les coffres, ce sont donc les trois les, euh, les, les coffres dans lesquels vont contenir les items en fonction des, des, des difficultés du jeu. Les joueurs c'est une variable qui va... C'est une variable qui va contenir toutes les infos pour chaque joueur. Le nombre de sélecteurs par joueur, là c'est euh, ici. Moi j'ai mis deux rangées, donc j'ai huit sélecteurs pour afficher beaucoup d'items, pour euh, que le, les, au niveau mémoire, ça va, ça. ça soit plein de choses à, 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 à varier. Donc ce sera le nombre maximum d'items qui pourront être affichés. Euh, je, donc moi j'en ai mis 8, mais vous pouvez en mettre moins, mais si vous en mettez moins, il faut bien le préciser ici. Nombre de secteurs par moniteur. Là, je parle de ces moniteurs qui sont ici, qui vont afficher des infos, la couleur du joueur et puis des différentes infos. Vous voyez, moi, j'ai besoin de deux moniteurs. Donc, du coup, vu que j'ai deux moniteurs, j'ai deux infos dans mon tableau. Si je m'étais arrêté à 8, donc ici, et que je n'aurais pas ces, ces, ces moniteurs-là, je euh, j'aurais tout simplement ceci. Étant donné que, que j'ai mis deux fois des écrans, ça va être là. Si jamais vous mettez par exemple euh, donc 8, ben là, je vous ai montré, mais si vous en mettez 10, ben vous allez avoir un écran de 8 puis un écran de 2. Donc, vous mettrez 8. Puis 2. Voilà. Ensuite, configuration de fenêtre. Vous allez vite vous apercevoir quand vous allez jouer, euh, si vous mettez moins de fenêtres, par exemple 8 et 2, alors vous, allez, vous allez donc simplement supprimer euh, autant de lignes. De... Là, il faut qu'il y ait autant d'infos qu'il y a de chiffres ici. Donc, si vous avez fait un écran de 8, puis un écran de 2, vous allez avoir 8 infos, puis 2. Ça, c'est quoi C'est la largeur de chaque case. Donc, là, il y a une case, une autre. Une autre, je ne peux pas diviser pile poil dans, dans computer craft, il n'y a pas de logique. Voilà, en faisant 10, enfin un écran complet de, de, de 8 pour le diviser de façon propre, le mieux c'est de faire 10, 10, 10, 11, 10, 11, 10, 10. Voilà. C'est là où ça, peut, ça paraît à peu près, ça arrive à peu près à chaque limite, mais on n'arrive pas aux limites pile poil, c'est un peu très mal foutu. Mais ça, si vous mettez moins d'écran, euh, vous pouvez bidouiller un peu ces chiffres et vous verrez très vite ce que ça fait. Côté redstone, on a vu à l'arrière de l'ordi qu'il y a un câble de redstone qui part, donc c'est le côté. Moi, nous, moi, il est à l'arrière de mon ordi. Si vous mettez le câble ailleurs, ben vous mettez la direction ailleurs. Petite euh, variable add euh, que j'ai, euh, fonction pardon, pas une variable, une fonction que j'ai créée que je pense euh, utiliser maintenant à chaque fois. Je verrai d'ailleurs pour sans euh, <coughs> faire enfin, autrement euh, add Il ça à faire plusieurs choses. Donc on lui donne, l'idée du périphérique. Donc euh, soit le côté, en fait, soit le nom du périphérique si c'est par un modem. Il va vérifier que ce périphérique est présent, donc périphérique is present. Euh, si ce n'est pas le cas, il va nous mettre un message de, dans, dans la console, enfin dans, dans l'ordi, pour dire que c'est pas connecté. C'est très pratique parce que du coup, si quelqu'un a déconnecté sans faire exprès, enfin, ça arrive très souvent de déconnecter un modem sans faire exprès, et bien, leur, au lieu que ça plante au milieu de votre code n'importe où et que vous ne comprenez pas pourquoi ça plante, bien là, ça vous fera un message d'erreur directement pour vous dire hé, hey, attention, ton. Alors on pourrait d'ailleurs mettre un. Ah non, euh... Je ne sais plus comment on stoppe un programme. Il faudrait peut-être un truc pour stopper le programme directement, ça serait pas mal. Et donc, sinon, si ça fonctionne, ça retourne un tableau dans lequel on a de nouveau l'idée et le nom du périphérique, et le périphérique qui est relié vers un périphérique WAP dans la variable PP. On verra très souvent qu'on va utiliser l'idée pour savoir sur quel écran le joueur a cliqué ou sur quel sélecteur le joueur a cliqué. Donc, c'est très important de garder le nom du périphérique. Petite fonction cache écran j'ai mis assez haut d'ailleurs, mais bon, peu importe. Euh, en fait, euh, quand, vous avez vu, quand on ne joue pas, quand on, joue, on ne peut pas cliquer sur les écrans, je cache l'écran et tout ça pour, tout simplement en envoyant un signal de redstone sur des pistons. Donc, du coup, c'est juste un petite fonction qui va gérer l'envoi de, du signal de redstone. Donc, on crée une variable totale parce que c'est des. Vous savez, c'est le signal de redstone euh, euh, avec les couleurs de, du câble d'under IO. Donc, du coup. Ben, il suffit. Euh, en fait, ils vont, ils, vont envoyer les, 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 ils vont envoyer des câbles par rapport au, au couleurs des câbles. Donc, alors, comment ça se passe On crée une variable totale à 0 et à chaque fois qu'on doit afficher, enfin, on doit monter les pistons, on va euh, rajouter la couleur du joueur au total. Alors, donc, je fais une boucle de tous les joueurs. Dans ces joueurs, on verra qu'il y a une variable qui s'appelle cache, qui, donc, en gros, on cache ou non l'écran. Et. Ben, tous les joueurs qui ont le, le variable cacher l'écran sur clou, on va le rajouter au total et on envoie. Ce qui fait que si jamais euh, ben, tous les joueurs sont, sont, on a mis de ne pas cacher l'écran, donc sur false, ben, on va avoir un total qui sera 0, et quand on envoie zéro, 0, ben, ça envoie aucun ciel de redstone. Euh, le, le set bundle, je vous, si vous ne connaissez pas, je vous invite à, à aller voir ma vidéo sur la redstone pour plus de détails, je ne vais pas vous expliquer plus. Il y a toute une vidéo qui l'explique très bien. Moniteur. Le mode de jeu, c'est donc le petit écran qui est au-dessus de mon ordi dans le, dans, le, dans le jeu qui est à l'entrée où on va pouvoir cliquer pour choisir si on veut jouer en scoring ou en versus, si on veut jouer dans, dans quel mode de jeu on veut jouer et les infos complémentaires. On va tout de suite d'ailleurs le voir après. Parce qu'on va donc là créer nos différentes fenêtres qui sont présentes sur cet ordinateur. La fenêtre donc, mode de jeu, donc qui permet aux joueurs de choisir entre scoring et versus. Donc je crée ma fenêtre dans. Euh, le moniteur mode de jeu, donc ou bien mettre un pp parce qu'on parle bien du périphérique. Voilà. Donc si jamais vous voulez que votre écran soit le plus grand, c'est là où vous allez pouvoir configurer vos petites fenêtres. Et donc j'affiche scoring à la ligne 2 et versus à la ligne 4. Voilà. Fenêtre difficulté. Je crée une fenêtre pour la difficulté que je, que je cache parce que au démarrage, on la cache. Avec à la ligne 1... Euh, le mode noir et blanc, qui est en fait un mode rouge et on pourrait presque mettre euh, rouge et blanc. Euh, un mode à 32 items et un mode sans items. Alors, ça, c'est vraiment moi qui joue en 32 en 112. En théorie, euh, pour faire les choses bien, on pourrait euh, faire ceci, parce que c'est la réalité, c'est ça. C'est le nombre, en tout cas au maximum, ça va être euh, le nombre de sélecteurs que vous avez donné par joueur x4, et celui-là au maximum x9. Voilà. Et on met un petit point un point. Comme ça, on sera plus juste. Ensuite, fenêtre d'explication. Là, c'est juste un, enfin, un petit... Je n'ai pas quand j'ai y avoir plein de fautes. Euh, qui dit aux gens bah, d'aller cliquer sur la laine grise pour rejoindre, et quand tous les gens sont, sont rejoints, bah, de cliquer sur la laine verte pour valider. Voilà, donc ça c'est une petite fenêtre d'explication pour que les gens comprennent ce qu'ils doivent faire. Fenêtre en cours, bah, tout simplement, vous en fait pour dire que ça y est, la partie est lancée qu'il faut aller, qu'on qu ne peut plus rejoindre, c'est trop tard. Voilà pour les différentes fenêtres de notre petit affichage. Euh, add affichage. Donc là c'est une petite fonction pour euh, ajouter les, les différents euh, donc, items sélecteurs, OPFAL selector. Donc on récupère l'idée. Euh, alors pourquoi j'ai fait comme ça Tout simplement parce que euh, je me suis pas très utile en fait en me rendre compte. Alors si par contre ce que je me suis rendu compte sur un autre jeu, c'est que j'aurais pu faire ça. Et ça, ça aurait été beaucoup plus facile. C'est de s'amuser à faire comme ça. Et du coup, là, il y a moins de choses à rentrer. Euh, mais à l'origine, en fait, pour tout vous dire, pourquoi c'est fait comme ça Parce qu'à l'origine, j'avais, euh... je n'avais pas créé ma fonction euh, ad et du coup, je l'avais mis là-dedans. Sauf que vu, que je me suis rendu compte que mon que j'en avais besoin pour aussi pour les moniteurs. Euh, je l'ai déplacé dans... dans une autre fonction, ce qui fait que ça fait une fonction assez légère. En tout cas, ça ajoute à la... au tableau affichage. Euh, le périphérique euh, voilà. donc, du coup ça je mets des petits numéros donc là bah, quand vous cliquez à l'arrière de votre de votre euh, item sélecteur au moment où vous le connectez à l'ordinateur ça va vous donner le numéro donc à vous de mettre le numéro de gauche à droite quand on est euh, en tant que joueur hein, face au joueur donc euh, à droite à gauche quand vous êtes euh, dos au système voilà donc du coup j'ai fait ça je trouve que c'est pas mal ensuite euh, une fonction add coffre Alors, vous voyez d'ailleurs quand je vous dis que, bah en fait, add coffre, j'aurais pu tout simplement mettre un add périphéral. voyez au début, je ne l'avais pas fait. Tac Donc, on peut le faire comme ça. Voilà. Donc, c'est le même système. Et on pourrait d'ailleurs en profiter pour faire pareil, c'est-à-dire comme ça. Et du coup, ça rend un peu plus léger le système parce que du coup, on tape moins souvent... Tout le nom du chest. Alors attention, ça, ça fonctionne si vous utilisez trois stock chest. Si vous utilisez, euh, par exemple, on va dire, ça, je ne vais peut-être pas le mettre parce que je me rends compte que vous, euh, si vous n'avez pas les stock chests, parce que nous, on a. Alors, nous on utilise des stock chests du, de, 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 du mode qui gère l'argent tout simplement parce qu'il n'y a que moi qui peux du coup accéder à ces, à ces coffres et donc on, les joueurs ne peuvent pas s'amuser à mettre d'autres items dedans. Euh, vous, si vous êtes en solo, bah, ici au lieu mettre des stock chests, quand vous mettrez votre, votre périphérique, bah, vous mettrez un coffre en diamant ou un coffre voilà, des les différents coffres. Euh, tout simplement. Alors d'ailleurs je vais vous le montrer ça rapidement. Euh, parce que... Donc moi c'est cela. Et en fait, cela, je peux directement mettre dessus un item. Si vous vous mettez à des coffres en bois ou des coffres en diamant, vous devrez passer par les périphériques proxy pour mettre votre coffre plus un périphérique proxy. Il faudra que je fasse euh, rapidement une vidéo qui explique un peu comment on relie les coffres. Ça sera important. Donc voilà un petit peu pour l'ajout de mes coffres. On continue parce qu'il ne faut pas non plus que la vidéo dure une heure et demie euh, avec l'ad joueur. Donc là, on va ajouter. Euh, C'est pareil d'ajouter tout, tout ce qu'il y a. Genre on va regarder un petit peu ici ce qu'on envoie. On envoie en la couleur, donc. Moi, j'ai 4 joueurs, mais vous pouvez, même, vous pouvez très bien euh, ne mettre qu'un seul joueur si vous voulez mettre votre partie en solo. Et vous pouvez très bien mettre qu'un seul joueur, comme pour en mettre 4, 2, 3. C'est à vous de voir. Vous pouvez même mettre 8 si vous voulez. Euh, le, le code est fait pour gérer autant de joueurs qu'on veut. Donc, on, alors là, le maximum étant de 16 parce qu'il faut avoir, les, il faut avoir les, une couleur. Donc, vous mettez la couleur du joueur. Ensuite, un tableau avec la liste des items sélecteurs liés aux joueurs donc les voilà, ensuite euh, la, la liste des écrans euh, d'affichage, donc alors la liste des items c'est cela, et les écrans c'est cela voilà, on va voir un petit peu comment on traite tout ça, add joueur donc couleur, sélecteur, moniteur, comme je vous l'avais dit on vérifie que le nombre de sélecteurs envoyés est bien égal au nombre de sélecteurs configurés, donc je dis normalement, ici je vous ai dit, il faut 8 par joueur, et donc il faut que tous les joueurs aient autant de sélecteurs, sinon ça ne marcherait pas donc du coup, si jamais un joueur n'a pas Enfin, si vous faites une erreur, ben, il y aura un petit message dans la console qui vous dira que le, que le nombre de sélecteurs pour tel joueur n'est pas valide. donc, vous pourrez voir pourquoi. <laughs> Ensuite, pareil pour les moniteurs. Vous avez fait une configuration euh, dans la... Enfin, vous avez un nombre d'affichage euh, pour afficher le nombre de réponses possibles. Euh, il faut absolument que, le, que euh, en termes de moniteurs, ça fonctionne pareil. Donc, pour ça, je sais, je sais qu'il faut au moins avoir... Euh, affichage divisé par 8 parce qu'un un, un moniteur il fait maximum 8 euh, donc il faut qu'il y ait si jamais vous avez plus de 8, ben il faut 2 moniteurs donc voilà. c'est donc juste pour vérifier qu'il y a assez de moniteurs voilà ensuite je crée une variable data dans laquelle je vais stocker la couleur, je vais dire si le joueur est actif euh, si on cache le coffre je mets sur trou dès le départ euh, enfin pas le coffre mais l'écran le, de, de, des joueurs, on, on va stocker donc tous les sélecteurs, les moniteurs et des fenêtres les sélecteurs je fais une petite boucle pour ajouter les, pour ajouter avec ad peripheral tous les sélecteurs, pareil pour tous les moniteurs, mais en plus de ça, je vais créer dans chaque moniteur les petits écrans. Donc en fait, ce sont des petites fenêtres qui vont être là. Ce n'est pas une grande barre bleue, c'est 8, bar, 8 blocs bleus. Donc pour ça, je prends une position de départ qui est sur 1. Je fais une boucle en utilisant votre configuration du nombre de sélecteurs, donc euh, qui est ici. Donc je sais qu'il y en a 8, donc je vais devoir euh, faire, euh, faire 8 fenêtres. Je vais donc créer une fenêtre, crête donc dans le moniteur qu'on qu vient d'ajouter, voilà, euh, app, et on va le mettre à la position x en haut, tout en haut, et la taille, ça sera votre configuration que vous avez mis dans le petit tableau que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, euh, donc un, d'abord, ça va être donc dans cette première ligne, puis ensuite dans la deuxième, et donc là, on est au premier, à la première fenêtre, puis deuxième, puis troisième. Donc chaque fenêtre prend sa taille dans cette config. Toujours avec une hauteur de 5 parce qu'on on part sur le principe que euh, la hauteur euh, c'est maximum. Alors vous avez, vous avez vu, je n'ai pas fait de système où il y a, On aurait pu, pu très bien mettre cet écran là euh, au même niveau. Et du coup, gérer les deux affichages dans le même écran Mais j'avais pas envie, je voulais... Je préférais qu'il y ait un écran par genre. C'était beaucoup plus simple à coder. Euh, et surtout beaucoup plus simple pour que vous vous puissiez en mettre un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà. La position euh, du de la prochaine fenêtre bah, va être euh, position plus actuelle plus. La, position, la taille de la fenêtre pour que les fenêtres s'enchaînent. On définit comme couleur la couleur du joueur et euh, on clear pour que cette couleur s'applique. Et on ajoute ça à notre variable euh, fenêtre. Dernière chose, c'est une fenêtre de résultat pour afficher le score du joueur, ce qu'on va donc mettre euh, dans le premier écran, à euh, la troisième ligne, première colonne. Ne, pardon, Première, troisième colonne, première ligne, et une fenêtre qui va faire une taille de 8, parce qu'en général, on, on, les joueurs n'auront pas euh, un score plus de à 8 chiffres, ça serait quand même beaucoup. Voilà. Et on on, cette, cette, euh, ce, ceci, on le cache. Voilà, et on insère, du coup, dans notre variable joueur, toutes les datas qu'on vient de créer. Donc, on a euh, pour chaque joueur tout ça qui est stocké. Ensuite, je lance la variable cache écran qu'on a vu. Donc, en gros, vu qu'on a créé les joueurs, ben, je dis vas-y, euh, monte les pistons pour pas que l'écran soit affiché. Euh, si jamais vous, vous n'avez pas under IO ou vous ne voulez pas cacher les écrans, il suffit euh, du coup de supprimer tout le contenu de, ce, de ça. Et encore, même, on s'en fout en fait. Non, vous en foutez. Si vous ne mettez pas de redstone, ben, ça ne fera rien du tout. Il enverra de la redstone, mais vu qu'il n'y a pas de câble, ça ne fera rien. Ensuite, euh, le, nous allons avoir une fonction pour afficher la séquence. Donc, ça, c'est une. Fonction, on verra qui sera appelé plus tard, qui nous permettra d'afficher le code, enfin la série à mémoriser. Première chose, on va euh, tout simplement afficher. Euh, alors, euh, pardon, donc, on, dans l'affichage la séquence, on, on va avoir besoin de deux, deux choses. Le numéro du coffre qu'on utilise, donc euh, tout simplement 1, 2, 3, si vous avez. Enfin, voilà pour les coffres. Euh, on verra un peu plus tard. Et. Euh, je suis allé trop bas. Et le nombre d'items qu'on doit afficher. Donc là, c'est une fonction qu'on envoie en disant Bah ben là, moi, je veux que tu m'affiches. Là, on va, il doit mémoriser 6, 8, 16. Voilà. Donc c'est ici. On va récupérer. Alors d'abord, on va condenser tout l'espace du coffre. Ça, c'est pour éviter un bug dans, du mode périphérique euh, qui fait qu que dès qu'il y a un espace dans le coffre, il arrête de vérifier. Donc il faut que tous les items se suivent et qu'il n'y ait pas de, de vide à un moment. Donc du coup, en faisant condense item, on n'a pas de vide dans le coffre. Ensuite, on va récupérer tous les items du coffre qu'on va stocker dans, cette, dans une variable stack. Donc ça contient tous les items du coffre. Ensuite, on va créer une variable résultat slot et une variable résultat, on verra à quoi une servent plus tard. Et euh, on va mettre une variable multi-item sur True. Multi-item, ça veut dire quoi C'est une variable qu va, qui nous permettra de dire si oui ou non euh, on, un item peut apparaître plusieurs fois. Et pour savoir si c'est justement ça, on va regarder le nombre d'items demandés, donc euh, ça peut jusqu'à 16 dans la configuration, et le nombre d'items qu'il qu y a dans le coffre. Si dans le coffre il y a plus euh, d'items que dans le coffre il y a moins d'items qu'on doit en afficher à l'écran, alors on dit qu'on peut utiliser plusieurs fois chaque item. Et on fait une, une petite boucle, on va tout de suite faire un tirage au sort des items à afficher sur l'écran. Et pour ça, eh bien, on va tout simplement euh, dans cette variable stocker à chaque fois. Donc là on fait une, on fait une boucle de 8. Enfin de 8, de. Si c'est si 8 là, mais, ou de 16, voilà. Et on fait une boucle et à chaque fois on va donner un chiffre, compris, donc mat random, compris entre 1 et le nombre d'items qu'il y a dedans. Donc si on est sur un coffre par exemple, il n'y a que deux items, par exemple il y a un coffre où il n'y a que une laine blanche et une laine euh, rouge, et eh ben du coup il va euh, faire 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, voilà, en gros. Et s'il y a 16 items, bah, il fera les 16. Ensuite, euh, le multi-item, euh, si jamais donc, il y a plus d'items euh, dans le coffre qu'on doit en afficher, à ce moment-là, on, on lui dit « Tu n'as pas le droit d'afficher deux fois le même item. » Donc là, on passe en multi-item false. Et on passe euh, à la suite. Donc on fait… Euh, d'abord, alors là, le truc c'est qu'on on va, on va, va pouvoir, on, enfin, on va devoir s'arranger pour ne pas avoir deux fois le même, euh, le même item à l'écran. Donc, il va falloir faire un chiffre aléatoire, mais une fois que ce, que ce chiffre tiré, on ne pourra plus le tirer. Donc, pour ça, on va créer euh, une variable pré-rand qui va en gros, un, un, pour, enfin, qu'on va utiliser pour stocker toutes les possibilités euh, du random d'abord. Donc voilà, donc en gros ça va, on fait une boucle par rapport euh, aux, avec, aux items. Donc en gros on, on va avoir un tableau qui va contenir autant de, de lignes enfin qu'il que, que y a d'items. Et on va stocker à chaque fois le numéro. De, donc en gros au début ça stocke simplement de 1. Imaginons que j'ai 16 items ou 32 items dans un coffre, bah ça va stocker un, un chiffre ça va stocker un, enfin un tableau où il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, jusqu'à 32. Ensuite, euh, donc là, j'écris je, je une variable rand, on va faire une, de nouveau la boucle, comme ici, pour euh, aller de 1 à le nombre d'items qu'on a besoin, donc de 1 à 16 par exemple. On va faire un tirage au sort, euh, avec cette fois-ci comme chiffre maximum le nombre qu'on a dans le tableau. Bon, au début, c'est 32, pour, pour le premier tour. Donc on a un chiffre ici qui est entre 1 et 32. Le résultat euh, de ça, on va stocker du coup... Bah, le chiffre qui donc. La première fois, c'est simple. La première fois, si, si le hasard donne 10, bah, ici, ça sera 10. Que va nous donner cette variable-là. Donc là, ça sera 10. Et ça, ça sera 10. Donc, premier résultat, le chiffre 10. Sauf qu'après, on va lui dire, bah, dans, le tableau dans le tableau de pré-rendu, la dixième ligne, donc qui est égale à 10, tu la supprimes. Remove. Donc maintenant, mon tableau, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13. Et il n'y aura plus de chiffre 10 de stocker. Par contre, le tableau fera 1, 2, 3, 4, 5,. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est comme si ici, donc là, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais dans, cette, dans ce qui est stocké, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Il n'y aura plus le 10. Voilà. Et donc, on refait un, un aléatoire dans ce tableau, donc qui n'est plus de 32 maintenant. Il ne fera plus que 31 lignes, puisqu'il n'y a plus de, il y a le stockage du 10. Et, on compte, et il continue. Donc, il nous fait euh, un, tirage, euh, un tirage de sort. Donc, par exemple, il tombe sur le chiffre 10 encore. Oui, donc là, ici, c'est égal à 10. Mais ça, c'est égal à 11. Et donc, il stocke le, il stocke le 11 et il le supprime ainsi de suite. Ce qui fait qu'on on va avoir, dans mon tableau de résultat final, on ne pourra pas avoir deux fois le même chiffre. C'est un peu technique, j'espère que je l'ai bien expliqué. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, notre tirage de sort est effectué. Donc, maintenant, il faut qu'on l'affiche. Alors, pour savoir, euh, pour l'affichage, euh, si jamais il n'y a que 4 chiffres, enfin 4, on va, on va afficher les 4 au centre, pour que tous les joueurs euh, voient aussi bien. Donc, du coup, on va plutôt le mettre au centre, et pas euh, à partir du premier. Donc, pour savoir quel est le premier item sélecteur que je dois utiliser, on va faire ce petit calcul, qui est donc le, euh, la taille complète, donc le nombre d'items sélecteurs qu'on a disponible. Donc, chez moi, c'est 16. Si je n'en affiche que 4, ben 6, je fais 16 moins 4. Bon, sous cette parenthèse, c'est un peu inutile d'ailleurs. 16 moins 4, donc ça fait du... 16 moins 4, 14. 12, pardon, je suis fatigué. 12, que je divise par 2. 12 divisé par 2, ça fait 7. Et j'arrondis euh, à l'inférieur. Donc du coup, si j'étais à 7,5, ben ça, fera, ça fera 7. Si j'étais... Euh, voilà, donc ça c'est le principe. Et derrière, j'ai mon premier sélecteur, alors, qui est pas vraiment... Qui est, voilà, qui, est le, on verra qu'en fait, c'est pas le premier, mais celui d'avant. Parce que ça peut être, il peut être égal à... Si c'était si si 16, pour ça, ça ferait 0. Hein, 16 moins 16, 0. 10 par 2, 0, a euh, rendu inférieur à 0. Donc ça peut être 0. Mais donc en gros, c'est pas le premier, mais juste celui d'avant. Mais bon, voilà, on va dire que c'est... Bon, on, on, on le sait. Et donc je vais lui dire, euh, affiche moniteur séquence, qu'on n'a pas encore vu cette fonction. Elle est où Elle est là. Euh, oui, donc on, on verra un peu comment ça fonctionne après. Euh, ah, c'est gênant. Bon, donc on lui envoie <coughs> l'item du premier le nombre d'items et euh, si, il a, si on est en multi-item. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Je sais. En plus, j'ai un, un gros bug. On va y aller, puis on, on reviendra après. Lui, qu'est-ce qu'il fait Il fait une boucle avec tous les joueurs. Euh, ah oui, alors c est, c est, ça, excusez-moi, je t'en rappelle juste... ça c'est l'écran qui, euh, qui va afficher ici euh, les couleurs. Alors pourquoi j'ai fait ça Tout simplement parce que quand euh, on lance... Voilà. Oh là, Ouais ok, je, je suis en train de me... Bien, quand on lance euh, là, une partie, je trouvais, euh, imp... enfin, je trouvais que c'était important que les joueurs visualisent très vite euh, où commence la sélection et où elle se termine. Et donc pour ça j'ai fait hein, une zone... De marquer avec les écrans pour dire bah, c'est de là à là qu'on mémorise. Je crois que c'était assez important. Donc, du coup, euh, ce qui se passe est dans cette boucle, c'est tout simplement qu'on va, euh, on l'expliquera plus tard, on va modifier la couleur de, de l'écran. Je ne vais pas en parler maintenant, je, on va continuer dans l'ordre, mais c'est le moniteur, euh, l'affichage moniteur, c'est avec séquence. Il l'affiche donc sur les moniteurs, comme son indique, la, le, la séquence. Donc, on verra un peu plus tard pourquoi. Donc, mais voilà. En gros, je lui dis euh, d'afficher euh, le. le la séquence pour que les gens puissent voir simplement euh, d'où à où il faut qu'ils mémorisent. Ensuite je fais une boucle du nombre d'items, donc toujours la même, hein, et on va afficher le résultat cette fois-ci. Donc on va récupérer dans une variable résultat. Euh, je ne sais plus pourquoi j'avais fait ça, parce que bon, c'est pas, pas, pas grave. Donc dans, dans résultat... Ah oui si pardon, oui, ça y est. Je vais stocker dans la, dans la variable résultat qu'on n'a pas encore utilisé. Euh, tout simplement l'item. Donc là pour ça, je vais récupérer, je prends ma variable stack. Je donne le numéro qu'on a tiré au sort et je lui dis donne-moi toutes les infos que tu as sur ça. Donc, ça va nous donner l'idée de l'item, la value d'hommage, toutes les, toutes les valeurs qu'il y a sur les items. Et euh, je vais les stocker là-dedans pour plus tard, pour pouvoir comparer. Euh, parce que ça va être donc le résultat, euh, ça va être le, le, tirage au, le tirage au sort, et qui ne sera plus en, en chiffres, mais bien en, en, en nom d'item. Et du coup, on pourra comparer si c'est bien euh, ce que le joueur a fait après comme. Euh, comme euh, comme proposition et je vais afficher donc pour ça je vais utiliser donc, ma variable affichage je vais utiliser le sélecteur euh, donc i plus nombre donc du coup si on avait tiré 7 ben, le premier ça sera, le, ça sera 1 plus 7 8 puis le 9 puis le 10 puis le 11 et on va afficher grâce à 7 slots euh, donc là on, a, on met dans le premier slot parce que comme ça on s'affiche en gros l'item l'item euh, qui a été stocké là-dedans voilà pour cette variable et on lui renvoie un retour avec trois choses le résultat de la séquence tirée pour pouvoir derrière comparer si les joueurs ont bien euh, répondu juste, le premier item sélectionné, vu qu'on en aura besoin pour euh, bah, afficher plus tard, donc on va le garder, et si c'est un multi-item, simplement pour pouvoir dire aux joueurs s'il a le droit de cliquer plusieurs fois sur le même item ou pas. Affichage clean, c'est une variable, une fonction pardon, qui va tout simplement euh, remettre à zéro tous les items, parce qu'il va faire un set slot sur l'ensemble des sélecteurs, en lui disant qu'il n'y a rien à mettre. Donc du coup il va, il va euh, effacer s'il y a quelque chose. Le clean sélecteur select, joueur, ça ça va une. On va donc faire une boucle de 1 à au nombre de sélecteurs par joueur que vous avez sélectionné dans, dans vos, votre config. Et pareil, on va faire un set slot avec un S cette fois-ci et un tableau pour vider totalement les écrans des joueurs. Donc ça, c'est tout, tout simplement quelque chose qui va me permettre de vider ces écrans-là. Ensuite, on a le clean... Euh, ça, c'est clean selector. joueur. Euh, J'ai en train de me dire, oui. Euh, on, ici, il fallait, vous voyez, un idée d'un joueur. Donc on, on allait, en fait, ça clean tous les écrans d'un seul joueur. Le joueur qui a été défini ici. Et là, on a un clean sélecteur avec un S. Et on va faire une boucle pour, lui en, pour envoyer à clean selector tous les joueurs. Donc si je veux nettoyer... Tous les écrans de tous les joueurs, j'envoie un clean selecteur avec un S, clean avec un S, et si je veux nettoyer qu'un seul, j'envoie en, un clean selecteur joueur sans S avec le numéro de joueur qu'on va nettoyer. Affichage selecteur joueur, donc là, c'est pour afficher sur euh, le, ces écrans-là tous les items contenus dans le coffre pour que le joueur puisse répondre. Donc pour ça, on donne l'idée du coffre, voilà, et on lui fait euh, une petite boucle. Avec. Euh, enfin, pourquoi je dis Non, pardon, excuse-moi, je saute un peu. Donc, on rebelote, re on condense le coffre. Donc, ce pas forcément utile de le faire à chaque fois, mais au cas où, ça évite de faire bugger. On affiche, on récupère, comme tout à l'heure, tous les stacks du coffre. Ensuite, en fonction. Euh, on calcule le nombre d'items que je vais afficher par écran. Vous savez, un écran, ça peut d'items sélecteurs, ça peut afficher, ça peut afficher soit un seul gros item, soit quatre items, soit neuf. Mais pour ça, on va regarder le nombre d'items que je dois afficher, le nombre de euh, sélecteurs par, euh, par euh, euh, de, de, le nombre de sélecteurs par joueur, pardon. Et ensuite, donc là, tout simplement, bah, si euh, il y a moins d'items que d'écran, bon, par exemple. Parce qu'on est sur un coffre où il n'y a que rouge et blanc, et eh ben du coup, ici ça sera 2, et ici ça sera, euh, ça sera chez moi c'est 8. Donc du coup, il va dire Je bah, ouais, j'ai que deux items affichés, donc je ne peux en afficher qu'un par écran. Si par contre, je dois afficher. Euh, euh, si jamais. Donc si c'est plus, on continue. Si je dois en afficher 32. Alors chez moi, 32, ça, ça loge sur euh, 4 par écran. Pourquoi Parce que nombre d'items par jour, j'en ai 8, x4, 32. Donc c'est plus petit ou égal, donc je peux acheter 4 par écran. Au-delà, on affichera par 9. Alors d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte, c'est pour ça que j'ai bugué un peu en vous expliquant, que ça serait pas mal de faire ça. Même si bon, c'est un peu relou de le faire à chaque endroit. Hop, on va faire comme ça. Là, on va mettre par 9. Et là, on pourrait faire, on peut faire une alerte. Trop d'items pour tout afficher. Ça, c'est un problème assez important. On pourrait d'ailleurs euh, faire une vérification plus tôt, mais bon, euh, voilà, c est, c est, on va, va l'afficher dans le chat. En plus, euh, si jamais vous avez mis plus d'items dans votre coffre, euh, donc là, c'est 9, pardon, plus d'items dans votre coffre que vous euh, pouvez en afficher sur l'écran des joueurs, bah, ça va être gênant. Et on fera un truc pour, pour stopper le programme à cet endroit-là. Il faut que je regarde rapidement tout à l'heure. Je ça dans, dans le, le passbint, je rajouterais de quoi stopper le programme. Ensuite, maintenant qu'on sait combien on doit afficher d'items par, par dans chaque sélecteur, on fait une boucle de joueurs, puis alors, on vérifie si le joueur est encore actif. Donc le joueur actif, c'est s'il est en train de jouer ou, ou euh, c'est le joueur qui joue encore actuel, soit parce qu'ils sont rentrés dans la partie, soit parce qu'ils ne sont pas encore éliminés. Parce que du coup, euh, on verra que actif, bah, si on si n'est si que 3 bah, et qu'on vous avait pré prévu pour 4 joueurs, vous pouvez stopper des joueurs. Voilà, voilà, On continue euh, avec donc bon, toujours. Euh, on récupère tous les items du coffre. Alors, on l'a déjà récupéré là, mais on va le refaire parce qu'on va l'effacer au fur et à mesure. Ensuite, on fait la boucle de tous les sélecteurs. On fait une boucle de. 1 à le nombre de, par écran, donc de 1 à 9 ou de ou de 1 à, à 4 ou de 1 à 1. Si jamais euh, on a plus de stack, là, de, plus d'items dans stack, on s'arrête. Donc là c'est que si ce n'est si pas égal à 0 qu'on qu fait cette qu continue, parce que si jamais vous avez deux items affichés, bah, au bout d'un il, il aura plus rien affiché, donc on ne va pas faire bugger le système. Ensuite, si jamais on est sur. Euh, que 4, par, que 4 et qu'on est supérieur à 2, je vais rajouter 1. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si on n'affiche que 4, le premier item, on est sur 1, on n'est pas supérieur, donc c'est toujours 1. 2, ça marche aussi. Mais si on est au troisième item, il faut le mettre sur le slot 4 et pas sur le slot 3. Euh, parce que sinon, il va afficher en tout petit. Donc du coup, si on est sur le troisième item, il fera plus 1. Donc on sera sur le slot 4. Et pour le quatrième item, on sera sur le slot 5. Euh, ça, pour être plus clair, allez voir le tuto sur les items sélecteurs de ma chaîne. Et j'affiche donc l'item numéro 1 dans cette lot. Et ensuite je supprime cet item numéro 1, ce qui fait que le prochain item numéro 1, ça sera un autre. Vous voyez, je vais toujours supprimer, toujours supprimer, toujours supprimer le 1, jusqu'à temps que le tableau soit vide. Donc du coup, tout est affiché sur. Donc affichage sélecteur joueur, ça affiche tous les items sur les, écrans, sur les écrans des joueurs. Fenêtre colorisation, on donne le numéro du joueur en question, le numéro de la fenêtre en question et la couleur qu'on veut qu'il affiche. Donc, tout simplement, je vous rappelle que. Oh, pardon. Euh, là, nous avons des moniteurs et que chaque moniteur est coupé en plein de fenêtres. Et donc, du coup, on va euh, ici pouvoir modifier euh, une, une fenêtre en particulier de la couleur qu'on veut. Et ça, pourquoi ben, On va avoir cette fameuse fonction affiche moniteur. On va lui donner le premier slot à coloriser, le, euh, alors, euh, le, le nombre de, de séquences. Alors. Euh, en noir et blanc. Alors, ça, pour comprendre ça, il faut que je vous montre différents exemples. Là, on était quoi on, on lui a dit d'afficher. Euh, le nombre. De, en fait, c'est le nombre d'items à afficher. Donc, on, tu, on lui dit d'afficher euh, les 5. Voilà. Et. Euh, donc, c'est pareil, 5. Et derrière, le dernier truc, c'est marquer le premier. Donc, en gros, c'est. Euh, faire faire, enfin, marquer en une couleur différente le premier item de la séquence. Ça permet de ça permet de montrer au joueur où est-ce qu'il en est quand il clique sur les trucs. Donc, bah, nous, là, là on l'a vu. C'était juste pour marquer l'ensemble de l'écran, donc on a mis faux, on ne marque pas le premier écran. Et, il y a des moments, et là, il y a un moment où on marquera le premier écran, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, mais voilà. Donc, boucle de joueurs, on prend que les joueurs qui sont encore actifs, euh, on supprime euh, la séquence à ce moment là parce que quand on affiche, quand on lance cette fonction on la lance au début donc on, on en profite, mais c'est vrai que ça on pourrait, je vais le mettre ailleurs parce que c'est pas, pas bien que ça, ce qu soit ici on va, le, on va le mettre, je vais le mettre là ça sera mieux donc on n'a rien dit, donc on, on vérifie si le, joueur, si le joueur est actif, si le joueur n'est pas actif on n'actualise on pas l'écran voilà euh, si le joueur donc est actif on fait une boucle sur l'ensemble de ces fenêtres et là, un petit calcul, si cette fenêtre et plus petit ou égal au premier slot, donc c'est avant ou égal à tous les, euh, les écrans qu'on n'utilise pas, on le mettra en noir. Ou si on est, si l'écran est plus grand que le premier slot plus la quantité à afficher, donc qu'on est après la, la sélection, on affiche en noir. C'est-à-dire qu'en gros, euh, bah, si on était dans notre exemple, what J'ai glitché. Oh, c'est relou. Allez. Euh, tac, donc là, si on est ici, j'en ai affiché que 4, bah, du coup, tous ces écrans sont en noir, donc là, tous ces écrans sont en noir, donc le premier c'était ça, ensuite on colorise, et si on en a un 4, 1, 2, 3, 4, et au-delà, on met tout en noir, voilà ce que, ce que, ce que fait ce calcul. Ensuite, si euh, l'item, enfin si le numéro est égal au plus 1, donc c'est le premier qu'on colorise, celui-là. Eh à ce moment-là, soit on doit marquer le premier et à ce moment-là, euh, on, on, on doit marquer le premier, donc on met la couleur du joueur. Sinon, on le met en blanc. Et après on met tout reste en blanc. Donc en gros, ça va afficher toutes les écrans en blanc. Donc au moment où on est en... en où on doit mémoriser, ça affiche tout en blanc les, 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 les sélecteurs qu'on doit mémoriser, donc le nombre pile-poil qu'on doit mémoriser pour bien montrer d'où à où on doit mémoriser. Et une fois que le joueur doit rentrer les infos, bah, ça lui mettra sa couleur sur le premier item, sur, item, sur le, premier, le premier slot. Écoute joueur, c'est une fonction qu'on va lancer quand on doit écouter ce que le joueur est en train de choisir comme, comme, euh, comme sélection. Pour ça, on fait d'abord un affichage moniteur séquence pour dire qu'on est en train de l'écouter. Et cette fois-ci on met sur True le premier item. Ça veut dire que du coup, on va, à ce moment-là du jeu, lui mettre euh, l'écran, le, le, euh, le premier écran en train de dire c'est ta couleur, donc tu es en train de t'occuper de ce slot-là. Donc au début, on est sur le premier slot. Ensuite, euh, on, met une, on crée une variable finie. On va la, on va, on va la créer plus loin, ça sera, ça sera plus logique. On va faire une petite boucle et tous les joueurs actifs, on va supprimer, euh, on va générer un nouveau tableau vide pour la séquence. En gros, dedans, on va mémoriser ben, le, leur réponse. On cache pour l'instant les écrans pour pas qu'ils puissent cliquer dessus. Ensuite, on actualise pour que les écrans. Pour que ces écrans soient cachés. Et on crée une boucle infinie. Donc tant que on n'a pas fini, on, met sur, on, met, on fait la boucle. Donc tant que c'est sur false, donc, tant que c'est faux, fini, ben, on continue. Je dis que c'est fini. Et on verra plus tard qu'on on, on vérifiera si c'est vrai ou pas. On attend qu'un joueur clique sur un, sur un item. Dans les slots sélecteurs, donc dans les, dans les items sélecteurs. On fait, quand un joueur a cliqué, on fait une boucle de tous les joueurs. On vérifie que si c'est un joueur actif. Si, donc en gros si c'est un autre, si un joueur qui n'est pas actif, a cliqué sur un écran qui n'est pas à lui, euh, ben c'est pas grave, ça, la boucle se finira. Ah, non, par contre la boucle va se finir. Ça, ça me gêne, je suis en train de me dire, parce que ça va stopper le jeu. Donc ça, on va, on va le mettre ici parce que sinon ça va nous foutre en l'air la boucle si un joueur fait ça. Donc si c'est un joueur actif qui a cliqué, on va dire pour l'instant on va dire qu'il a fini. Ensuite, on va boucler sur Ah mais c'est pareil, ça me gêne ça me gêne encore ça. Non mais il faut que je mette le fini là en fait, je suis bête. Tout simplement, on va bien. Donc on fait une boucle maintenant, excusez-moi, sur euh, l'ensemble des sélecteurs donc toujours la configuration de nombre de par joueur, on vérifie si du coup le sélecteur euh, qu'on est en train de dans, qui est dans la boucle, a comme idée le side, donc le nom du sélecteur sur lequel, on a, sur lequel le joueur a cliqué. Et si c'est le cas, ben on sait qu'il a cliqué sur ce sélecteur là. Donc maintenant, on peut dire on va mettre un petit, petit R dans le chat pour qu'on puisse débugger. Euh, là, on, a, on, vient, on vient de choper l'event, un event pour tel joueur qui vient de cliquer. Si ce joueur euh, a des. À sa séquence qui est plus petite que le nombre qu'il doit, qu doit faire, hein, ce, qu a, ce qui a été donné dans la variable. Dans, dans les coups de joueur, on a récupéré la taille de la séquence, le premier, it le premier item et si on a le droit de cliquer plusieurs fois. Euh, si donc c'est le cas, on va ajouter dans son tableau de séquence, grâce à l'insert, dans son tableau de séquence, on va ajouter euh, bah, tout simplement l'item sur lequel il a cliqué. Donc pour ça, on fait un get slot avec le slot qu'on a récupéré au moment de l'event. Et du coup, donc on est sur le bon joueur, sur le bon écran. On fait un get slot. Et donc dans cette langue-là, notre tableau vient d'ajouter l'info complète sur l'item sur avec l'idée et les dommages. Ensuite, on colorise la, la fenêtre sur laquelle il vient de cliquer en marron. C'est la couleur que j'ai choisie euh, pour dire que le joueur a joué. Et... D'ailleurs, ce qui veut dire que le marron n'est pas utilisable pour, pour coloriser un joueur. Le premier item, euh, pardon, on colorise, pardon, euh, en marron. Donc pour ça, on va utiliser le premier item plus euh, la quantité que, que le joueur a rentré comme séquence, et ça va coloriser l'écran qui était avant, euh, qui était de sa couleur avant, ça va coloriser en blanc. On va faire ensuite euh, si on est en si, si le joueur n'est pas en multi item donc c'est à dire que le joueur peut cliquer, ne, ne peut pas cliquer plusieurs fois sur le même item euh, pour donner sa réponse. et eh bien du coup, on va supprimer ce slot. En faisant un set slot et sur le set en cours, donc ça va supprimer l'item sur l'écran. Donc le joueur ne pourra pas recliquer dessus. Si le joueur a fini de séquence, donc là maintenant, sa séquence est égale au, à sa séquence globale. Si c'est égal, à ce moment-là, on va nettoyer son écran pour supprimer tout ce qu'il y a sur son écran. On va demander, euh, enfin on va dire qu'on peut cacher les écrans parce qu'il a fini, donc on, on fait un cache écran. Et ensuite. On fait un. Euh, on met la boucle sur fini, ce qui est faux d'ailleurs. Ah, ça va pas. Euh, on, on met. Qu'est-ce que j'ai fait Si le joueur. J'ai un petit bug là. Euh, on cache les écrans. Ensuite, euh, si jamais le joueur a. Euh, ah oui, ok, d'accord, ça y est, faut que je me rappelle ce que je suis en train de faire. On va, non, alors, donc, fini, ça va être là. Euh, fini et surtout. Et on va, du coup, faire. Je vais, je vais expliquer après l'affection la, la sur le fini. Euh, parce qu'il faut que je le corrige, c'était faux au, dé au départ. Donc, et du coup, si le joueur euh, n'a pas fait toute sa séquence, bah, du coup, on lui dit euh, bah, maintenant, il faut que tu choisisses l'item euh, suivant. Donc, pour ça, on va coloriser la fenêtre euh, du joueur et on va prendre comme. Comme truc, on va prendre première section, plus la séquence, plus 1, donc ça va mettre dans sa couleur l'item suivant. Si vous avez vu le jeu, vous comprendrez. Vous avez vu en train de jouer, vous verrez ce qui se passe à l'écran. Euh, alors, là maintenant, il faut qu'on qu on, 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 on vérifie ça. Si, le, si fini, on dit bon, on met sur trou. On cherche les joueurs. Si jamais le joueur. Alors, du coup, euh, on considère que c'est fini, mais. Pour vérifier ça... En fait, vous voyez, là, je fais la, la, le... Euh, si le joueur est actif, je, je vérifie ça, mais aussi, quoi qu'il arrive, je fais le tour de tous les joueurs, de, 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 pour savoir s'il y a un joueur qui est actif, qui n'a pas encore fait sa, sa, sa sélection en cours. Et s'il n'a pas encore fait sa sélection en cours, on met sur false. Voilà, donc c'est bon. Donc ça marche bien. <laughs> Excusez-moi. Pour, pour donc du coup, quoi qu'il arrive, je fais le tour de tous les joueurs. Si tous les joueurs actifs... Il y en a un seul qui n'a pas sa séquence complète, je mets, sur, je mets fini sur false. Dans, si jamais on clique sur l'écran, que tous les joueurs sont désactivés, ben fini reste sur true, la boucle s'arrête. Si euh, le joueur qui a cliqué, c'est pas un joueur qui était actif, on s'en fout parce qu'il y aura un joueur actif qui n'aura pas fini sa séquence et donc ça restera sur, sur false. Voilà, autant pour moi. Euh, le seul inconvénient de ce code, c'est que du coup, à chaque fois qu'un joueur clique, ça va actualiser tous les écrans de corrélation des joueurs, ce qui est un peu dommage. Mais bon, euh, il aurait fallu que euh, ceci, je le mette plutôt euh, ici pour gagner... Pour, euh, ouais, pour... En fait, ici, il faudrait que je fasse... Il faudrait que je fasse ça. Ça serait plus logique. Donc, le joueur en cours, euh, on sait qu'il vient de cliquer dessus. Donc, du coup, on va cleaner son écran. Euh, on va le mettre, on va cacher ouais, ça, tout ça on peut le mettre là-dedans et dans le cas contraire on actualise. Donc du coup ça actualisera que le joueur en cours, c'est une petite optimisation. Et du coup si un joueur n'a pas fini, on met sur false et ça ça sera. Euh, voilà. Là, c'est un peu plus optimisé. Vérif séquence. Donc là, maintenant, tous les joueurs, c'est une fonction qu'on lancera une fois que tous les joueurs auront euh, rempli leur séquence et on va, c'est le moment où on va vérifier si tous les joueurs se sont euh, trompés ou pas. On récupère la séquence juste. On récupère le premier item, le premier slot, donc toujours premier, enfin c'est l'équivalent de ça, et le mode de joueur. Si, si on est en mode scoring, score, ou en mode euh, versus. Si on est... Donc on se fait la boucle. Séquence, on vérifie, on vérifie toute la boucle. On affiche sur les afficheurs le premier item. Voilà, donc dans le premier slot comme, comme d'habitude. Cette slot est donc l'item en cours. On attend une demi-seconde, histoire de faire stresser un peu les joueurs. Et ensuite, on fait une boucle sur tous les joueurs, uniquement ceux qui sont encore actifs. Et on vérifie si euh, l'idée de l'item dans la séquence que le joueur a choisi est égal à l'idée dans la séquence juste, et si les dommages de, dans, le, dans la séquence choisie par le joueur enfin, au slot euh, actuel hein, est égal, et donc si tout ça est bon, on peut mettre la couleur de l'écran en vert pour montrer au joueur qu'il a eu juste, et on lui rajoute un point à son score. Si jamais le joueur a, mis, euh, enfin, a fait une erreur, on met son écran en rouge, et si jamais on est en mode scoring, on lui dit on met sur, on, donc on met dans un slot qu'on on met en réserve que c'est perdu et le joueur n'est plus actif et on met qu'il a perdu parce qu'on est en mode scoring et en mode scoring bah, tout simplement le, euh, les joueurs qui ont qui, euh, alors les joueurs qui sont plus actifs ne peuvent, ne peuvent plus euh, marquer de points. Alors je vais faire un petit truc euh, parce que ça m'embête je vais, je vais plus je vais pas mettre, je vais plus mettre actif, je vais le laisser actif et on va juste le mettre en perdu et du coup on va juste mettre ici que le joueur ne doit pas avoir perdu pour marquer de points petite optimisation comme ça il pourra continuer à voir s'il avait juste sur la suite ou pas je trouve que c'est pas mal voilà donc du coup comme ça après il continue à voir s'il a perdu ou pas et euh, on attend ensuite une seconde et on fait l'affichage suivant donc tout euh, voilà si le joueur euh, si on est, une fois qu'on a fait toute la boucle, si on est en mode score, on fait le tour de tous les joueurs et s'il y a des joueurs qui ont perdu, on va le passer le joueur en inactif, on va repasser perdu en, en, en false pour les, les prochaines parties et on va afficher son score en très gros. Voilà. Clean score, c'est euh, donc une petite variable qui est appelée pour nettoyer les scores des joueurs et les ratés des joueurs. Euh, raté, on l'utilise. Je crois que je l'utilise plus raté. Oui, J'utilise plus le raté. Donc clean score, ça va juste mettre le score à zéro. Euh, je sais même pas si j'utilise clean score d'ailleurs. Je suis en train de me demander si c'est pas un résidu euh, que je n'ai. Ouais, en fait, c'est une fonction que je n'appelle plus. <laughs> je vais vérifier, mais faire enfin, petit. Oh, un petit lag de mon ordi. Hop. Ouais c'est ça, c'était une, une fonction que je n'utilise plus, donc voilà. Euh, affichage grosse info, donc on l'a vu ici, on a un affichage grosse info, ça fait quoi bah, ça, On donne le numéro du joueur et le message, euh, on fait une boucle euh, pour, euh, dans, dans les fenêtres pour coloriser toutes les fenêtres à la gauche du joueur, donc mettre toute la barre en orange, et ensuite on écrit dans la fenêtre euh, résultat, on, on passe d'ailleurs au, au passage, on passe le moniteur en question on le passe en, en 5. Et euh, on met la fenêtre résultat en visible, on la vide, on met le curseur en 1-1 et on écrit le message, donc ça écrit perdu en gros, ou le score en gros, on verra un peu plus loin. Là on a vu toutes les fonctions, et maintenant on va voir enfin le jeu. On crée d'abord une, une série de variables pour le jeu. Euh, l'idée euh, du score euh, enfin l'idée du coffre en, en cours, donc du coffre euh, qu'on doit sélectionner, le, le nombre, la quantité, de la, la, la taille de la séquence. <laughs> à Mémoriser la séquence qui est juste, le premier euh, item, donc ça on a vu qu'on a vu plus, plus loin, mais on va, on va voir pourquoi j'ai créé là. Le temps euh, que les joueurs ont pour mémoriser un seul item, le mode en cours, la difficulté en cours, si la partie est en cours et si euh, une variable ok, on verra à quoi elle sert. Et on nettoie les écrans des secteurs des joueurs pour mettre leur dit euh, nickel pour le début d'une nouvelle partie, enfin d'un nouveau jeu. Au début de nouvelle partie on fait un clean euh, des affichages on passe euh, le moniteur le moniteur mode de jeu en 7 text call 1 parce qu'en gros j'ai des fenêtres où c'est écrit en gros des fenêtres où écrit en tout petit et là vu qu'on va afficher la fenêtre euh, de mode de jeu où les gens choisir scoring ou truc qu'on a besoin que ça écrit en taille 1 donc on, met, on le met en taille 1 on, sub, on efface l'explication et la difficulté au cas où elle était en, affichée et on, on met le, la fenêtre donc des modes de jeu on fait une petite boucle infinie tant que cette boucle tant que c'est sûr tant que on n'est pas ok on est en attente du mode de jeu, on attend qu'un joueur ait cliqué sur l'écran, on vérifie que l'écran sur lequel ça a été cliqué, c'est bien l'écran du moniteur de mode de jeu, donc les, le, enfin, le, de configuration plus que de mode de jeu d'ailleurs. Si le joueur a cliqué sur la ligne 2, on passe en score, si le joueur a cliqué sur la ligne 4, on passe en versus et on met euh, OK à tout parce qu'on a le mode de jeu. On efface le mode de jeu, on affiche la difficulté. On remet ok sur faux, on refait une boucle tant que ok n'est pas bon, on attend la difficulté, toujours pareil, un event de moniteur touch, on fait un, on vérifie que l'écran c'est toujours bien l'écran, enfin quand on clique c'est toujours bien l'écran de config, si c'est la ligne 1 c'est la difficulté 1 donc on met ok sur true, on met le coffre 1 si c'était sur le, la difficulté moyenne on met sur le coffre 2 c'est la difficulté grosse sur le coffre 3, si c'était la difficulté 1 2 ou 3, voilà. La séquence de départ en difficulté 1, c'est une séquence de 6. Sinon, c'est une séquence de 4, de 4. Sauf en difficulté max, où c'est directement une séquence de 6. Tiens, j'ai plutôt une séquence de 5. Allez, hop. Le temps de mémorisation, si c'est euh, en difficulté 1, donc juste rouge-noir, on n'a que moins d'une seconde par, par item. Hein. Sinon, on a une seconde et demie par item. Et c'est parti. On met sur l'écran. On met dans on, que la difficulté qui a été choisie c'est celle-ci et on continue. On, est, on remet euh, là on met maintenant l'écran en 0,5. Wow, pardon pour afficher plus d'infos sur le moniteur. On vire la, la, la fenêtre de difficulté. Et on met la fenêtre d'explication. Ensuite on fait une boucle de, pour les joueurs et on va euh, remettre à zéro tout ce que, qui concerne les joueurs. Pour ça on va sur euh, l'écran euh, alors sur, le sur le premier sélecteur, on va afficher une laine grise. Wool et, et 8, c'est la laine grise. On va afficher... Euh, on va met mettre le score à 0, mettre tous les joueurs en, en non-actif, mettre tous les joueurs comme pas prêt, mettre tous les joueurs qui n'ont pas perdu, mettre tout, euh, euh, Enlever le cache des écrans pour que les puisse puissent cliquer sur la laine grise. Et ensuite, euh, mettre le moniteur euh, qui affiche... Euh, au-dessus des, au des, des éléments, là où il y avait le scoring, on le met à 1, parce qu'on l'avait mis à 5 pour afficher les scores, je vous rappelle. Et euh, on vire la, le, le résultat, la fenêtre de résultat, donc la fenêtre où il y a le score. On fait une boucle pour recoloriser tous les écrans en noir. Donc là, tous les écrans sont en noir, tout est prêt, on actualise le, pour que les écrans, pour que les systèmes sélecteurs, sélecteurs des joueurs soient affichés. Et on fait une petite boucle infinie, infinie tant que euh, on n'a pas... Euh, tous les joueurs ne sont, sont pas OK alors là attention <laughs> petite boucle euh, où on attend que les joueurs aient cliqué sur la laine grise au début si le, on fait une boucle... Quand, 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 quand on reçoit un clic on fait une boucle pour vérifier s'il y a un joueur qui a... Euh, quel joueur a cliqué sur, sur une laine on cherche sur quel écran ça a été cliqué euh, pour ça en fait on vérifie que... les on vérifie là ici si c'est un écran numéro 1, parce qu'on a mis la laine grise, que sur un écran numéro 1. Si le joueur... Euh, donc là on voit que c'est le joueur. Euh, si c'est... On, on, que c'est tel joueur qui a cliqué. Donc il a cliqué sur l'écran numéro 1. Et, et le joueur n'est pas actif. C'est ce qui était, c était, c était le cas. À ce moment-là, on met que le joueur est actif, on ne passe sur tout. On met. Euh, on crée une boucle euh, pour... Alors... On, 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 on va créer une boucle à ce moment-là, et tous les joueurs qui sont actifs, on va euh, afficher leur fenêtre euh, de, en, en, en couleur, mais en mettant une fenêtre noire, une rouge, une noire, une rouge, ou une noire, enfin, selon la couleur, vous avez choisi pour le joueur, chez moi c'est orange, bleu, ou... Voilà, on va mettre une sur deux. Euh, donc pour ça, on boucle toute la fenêtre du joueur, et, et une sur deux, donc si euh, la division de la fenêtre en cours... Donc c'est 1, 3, 4, 5, 6, 6, divisé par 2 ça fait, est égal à 0. Donc bah, 1 divisé par 2, c c il reste. Il, enfin non, il reste pas, pas divisé. Il reste 0 pour faire un chiffre rond. Euh, 2 divisé par 2, bah, il y a, le reste c'est 0. De 3 divisé par 2, ça fait, ça fait 1, il reste 1. Donc vous voyez, enfin, le principe et du coup, 1 sur 2, on aura un écran noir et un écran de, un écran de couleur pour montrer que le joueur est en état actif, mais qu'il n'est pas prêt. Et on va mettre tous les joueurs comme étant pas prêts. Et on va la mettre sur l'écran de ces joueurs-là une laine sur, le premier, sur leur premier sélecteur de couleur verte et une laine de couleur rouge. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'en gros, quand on clique sur, vous avez vu sur la vidéo, quand on clique sur la laine grise, on a vert et rouge qui apparaissent. Mais si un joueur se met, se met prêt et qu'un nouveau joueur rentre dans la, dans, la, dans la boucle, on va le supprimer comme étant prêt. Parce que euh, ce qui se passe, c'est que là maintenant, mon slot... Mon item secteur 1, c'est euh, vert. On va voir. Euh, et je suis actif. Donc la prochaine fois que je vais cliquer sur, ce, sur, le, sur cet item, sur l'item vert, je vais être dans cette boucle-là, mais je vais dire, non, là aussi, je ne suis, je suis actif. Donc c'est ici. Si je suis actif, mon écran passe totalement de ma couleur, pour montrer que je suis prêt. Je me mets en prêt. Et j'affiche ma laine d'un vert plus flashy. Et j'ai toujours ma laine rouge, qui est son second écran. Mais si un nouveau joueur rentre, J'enlève Je, à tous les joueurs le fait qu'ils sont prêts. Ça permet, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes deux joueurs à être rentrés à la partie. Il y en a un qui se met prêt, puis il y a un troisième joueur qui rentre à la partie. Mais là, on, vous vous mettez d'accord, si. si euh, attends, on joue à trois, c'est sûr, tu veux vraiment jouer, tu t'as le temps et tout. Ok, ouais, donc les trois joueurs doivent se mettre prêts. En fait, ça, vous, ça permet bah, qu'un autre joueur qui ne s'incruste pas dans les moments et que les joueurs ne euh, voulaient pas. Ben, en fait, on, pour être sûr que, euh, que tout le monde soit OK sur, sur ce qui se passe, ça, ça se passe comme ça. J'espère que j'ai été assez clair. Donc, en gros, ben, quand un joueur rentre dans la partie, pour la première, enfin, rentre dans la partie, il va euh, forcer tous les joueurs à ne plus être prêts pour que tous les joueurs soient euh, d'accord que ce joueur euh, joue avec eux. Si un joueur clique sur le second slot, c'est-à-dire que sur une laine rouge qui a été intégrée ici ou ici, à ce moment-là, ben, on va. Euh, mettre tout son écran en noir, le mettre comme non actif, le mettre comme pas prêt, et mettre euh, sur le, le sélecteur 1 une laine grise et sur le sélecteur 2 une... Euh, ne plus mettre du tout de laine. Donc en gros, on repasse euh, au truc de base. Donc, donc le joueur a quitté la partie. On met la variable finie sur true, on compte, on crée une variable nombre de joueurs, on fait un tour. Euh, alors ça, c'est ri ridicule. C'est ici qu'il faut le mettre. On fait un tour de nombre de joueurs actifs. Ok. Euh, tout simplement. On regarde euh, si un joueur n'est pas prêt. Si on n'est pas prêt, on met sur faux. Si. Ah, non, mais je suis. Euh... Non, c'était bien là. Si. Euh... Mais non, ce a... sera, toujours... sera toujours 4, ça. Donc c'est bien dans actif. Si. Euh... Il y a zéro joueur d'actif, il n'y a pas de joueur de prêt, donc on met fini sur false, ok, euh, tout simplement. Et du coup, ça veut dire bah, tout simplement que si vous rentrez dans le jeu euh, et que vous êtes, enfin euh, c'est pour être sûr qu'il y a au moins un joueur dans le jeu après la boucle. En gros, si vous rentrez et que vous ressortez, bah, on est toujours en mode d'attente de joueur. Voilà. Une fois que tous les joueurs sont prêts. On peut lancer la partie. Donc pour ça, on clean le, les, les écrans des joueurs. On met, on cache tous les écrans parce qu'on attend. Euh, enfin à ce stade de la partie, où on cache tous les écrans. Ensuite, euh, moniteur mode de jeu. On repasse en taille 1 et on met que on est en partie en cours. Je suis en train d'hésiter sur la, si ça c'est au bon endroit. Euh, je, je, je regarderai. Donc ensuite, on est parti sur... Euh, euh, on, on attend deux secondes entre deux parties. On lance la fonction d'afficher une séquence à l'écran. Et on stocke tout ce, que la, tout ce que la variable nous renvoie. On attend, pour que les gens mémorisent, le temps configuré fois le nombre d'items à mémoriser. On affiche, euh, on clean les afficheurs, on affiche sélecteur joueur, donc les euh, items aux joueurs qui étaient euh, configurés dans la difficulté, hein, items coffre. On écoute ce que les joueurs ont à dire, donc en envoyant à chaque fois toutes les variables qui, qui sont stockées, donc on a, on a récupéré ici, on les renvoie dans la variable là. On vérifie euh, ensuite ce que les joueurs ont mis. Donc là, tout ça, en fait, c'est vraiment un tour de jeu. Et ensuite, si on est en mode scoring, mais on, euh, on vérifie que on met la partie sur faux et si un seul joueur est encore actif, on met la partie sur true. parce que vous savez que bah, dès que vous faites une erreur en scoring, ça euh, vous met en sur false euh, le, le côté actif. Si on est en versus, c'est différent. En versus, il faut que euh, les joueurs et, euh, il faut qu'il y en ait un qui ait plus de points mais c'est pas éliminatoire qu'on fait une erreur si deux joueurs font une erreur sur la séquence, eh ben les joueurs euh, vont euh, pouvoir faire une, un, un tour de plus parce que voilà. il faut qu'il y ait vraiment un joueur qui se démarque. Pour ça, on va calculer quel est le joueur qui a le plus de points. Donc, on va faire un score max euh, et le nombre de joueurs. Ça, on verra après. Donc, le score max, on fait une petite boucle de tous les uniquement sur les joueurs actifs et on regarde, ben, on fait un mat max, renvoie-moi euh, le, entre le score max et le score du joueur qu'on est en train de scanner, lequel est le mieux. Bon, alors, forcément, le premier joueur a fait mieux que 0, donc ça va être 1. Par exemple, et on regarde le joueur 2. Donc, si jamais tous les joueurs, les joueurs ont tous le même score, le ben, score max ça sera le score de tous les joueurs. Mais si jamais il y a un joueur qui se démarque ou deux joueurs qui ont égalité qui se démarquent, ben, le score max ça sera le score maximum de ces, de un de ces deux joueurs. Ensuite, euh, si on refait une boucle maintenant, et on, maintenant qu'on connaît le score max, si un joueur actif a plus petit que le score max, ben, ce joueur a perdu. On le met donc désactivé et on affiche perdu. Si le joueur n'a pas plus petit que le score max, donc il est égal au score max, on rajoute plus 1 au nombre de joueurs encore actifs. Si le nombre de joueurs acti encore actifs est égal à 1, ben la partie est finie. Le joueur encore actif a gagné et on arrête la partie. Si la partie continue. Enfin, quand qu'il arrive, on, je, je fais ça, mais en gros c'est si la partie continue. Si la difficulté est à 1, alors euh, j'ai mis... à chaque fois là j'ai mis... De quoi configurer, mais pour l'instant, c'est pareil pour tout le monde. Mais si on est en difficulté 1, je, je, euh, alors je vais mettre un plus 2 ici, tiens, pour se différencier. Donc, la, le nombre, pour la, prochaine fois, pour la prochaine manche, la séquence, on va augmenter de 2 si on est en difficulté 1, de 1 seul si on est en difficulté 2, et de 1 seul si on est en difficulté 3. Donc, je vais augmenter de 1 le nombre d'items de, 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 à mémoriser. Si le nombre d'items est plus grand que le nombre d'affichages possibles, on repasse. Cette, ce nombre d'affichés au nombre possible d'affichés. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que si euh, le temps de mémorisation est, sup est supérieur ou égal à 0.2, on va diminuer le temps. En gros, si vous arrivez à mémoriser, alors chez moi c'est 16, si, si on arrive à mémoriser les 16, eh bien, on va diminuer le temps que le joueur va avoir pour mémoriser, pour que ça soit de plus en plus rapide. Bon, là c'est pour les haut-level. Hein. Et voilà, on fait la, la boucle sur la partie. Donc, si jamais euh, les joueurs jouent encore, ça boucle ici. Et si jamais les joueurs ont perdu, ben là, on va reboucler sur ma boucle infinie qui est ici. Et on va clean les affichages. Et on, et on, est prêt, et on attend une nouvelle partie. C'était très long. J'espère que <laughs> dites-moi dans les commentaires. Je suis allé jusqu'au bout. <laughs> vous êtes un hardcore. Vous avez vraiment envie de comprendre le... comment on développe. Ce qui est vachement intéressant, c'est comme ça qu'on apprend. Enfin moi c'est comme ça que j'apprends. Je trouve que comprendre des codes c'est super agréable. Donc bah, mettez, dites-moi dans les commentaires. Ouais cool. Je suis allé jusqu'au bout et euh, bah, vous êtes GG à toi. T'es génial et je vous dis à la prochaine pour cette vid... <laughs> pour une autre vidéo. Tchuss.